sa saveur, son goût. Parce qu'ils vont vous réjouir le cœur. C'est une saveur unique. Elle est tellement tendre, elle est tellement douce en bouche que c'est un régal avec un petit vin de Brême, un vin du pays. Ce sont des vins quand même assez très très marqués, d'une forte personnalité. Il y a autant de vignerons, une vingtaine de vignerons en Vendée, et chacun a sa personnalité pour donner à chaque bouteille vraiment une authenticité. Alors c'est un poisson qui est pêché frais, hein, qui n'est pas glacé rien après, et qui est travaillé dès le matin, dès la pêche. Aussitôt pêché, il arrive au port. Le canard chalandais est servi sur des tables prestigieuses telles que celle de la Tour d'Argent depuis les années 40. Elle vit dans les fonds tièdes sablonneux, ce qui fait son originalité, sa particularité. C'est le premier poisson qui a obtenu un label rouge en 2000. La sole a sa place aujourd'hui dans la gastronomie française. C'est reconnu dans le monde entier. Elle est pêchée sur des fonds rocheux. Il est élevé en plein air. Pour aller avec le canard, il sera évidemment de bon ton de se servir nos vins rouges, qui sont des rouges en général plutôt légers. Quand vous faites vous griller une sardine, il faut la griller en entier, il ne faut pas l'éviscérer la sardine. Ce n'est pas du tout des vins standards, c'est vraiment des vins de personnes, des vins de vignerons. Mais c'est-à-dire que nous avons en Vendée des produits d'excellence. Il nous appartient à nous de servir des bons produits. Les produits du terroir, et c'est ça qui est important. Et la Vendée défend les produits du terroir. Et c'est ça que nous voulons développer aujourd'hui en sortant, en rencontrant les autres confréries.